Voyez-vous, on s'attendait pas à 175 personnes pour dîner. On s'est fait jouer un tour un petit peu. Fait que c'est pour ça que vous êtes tassés un petit peu. Mais on voulait essayer de ramasser le plus possible pour la maison Martin-Marc. J'ai des gens qui ont collaboré beaucoup avec moi. Simon Bertier en arrière. Gilles Lamar. Marie-Ève Ouellette, que tout le monde connaît. Marie-Ève. Le prochain numéro, le numéro 9! Ça n'aurait pas été possible d'être fait aujourd'hui sans la collaboration des gens qui ont aidé dans le stationnement. D'abord, Roméo Côté, Roméo Lévesque, Francis Saint-Denis. Alors, bonjour tout le monde. Ici Marc-André Pépin pour la TCBH et j'ai avec moi Marie-Ève Ouellette. Bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, c'est une activité de financement pour la Maison Martin-Mapp. En fait, c'est en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles. Fait que je vous dirais, là, si on peut voir un peu à l'arrière, il y a vraiment beaucoup de gens, là. On a 160 personnes qui ont répondu. C'est vraiment, là, même, on a été obligé de refuser des gens, là. C'est, on voit vraiment que les gens ont pris cette cause-là à cœur. Qu'est-ce que ça représente pour vous qui êtes chargé de projet? Ça représente vraiment un soutien énorme, une boost d'énergie, comme on dit, là, parce qu'on sent que tout le monde est avec nous autres, la communauté est prête à embarquer avec nous. Je pense que c'est une belle fierté pour la ville de Trois-Pistoles de constater que leur population sont aussi concernées pour la cause des personnes handicapées. Je suis maintenant en compagnie de Patrice Saint-Jean, grand chevalier des Chevaliers de Colomb. Bonjour. Salut, Marc-André. Donc, un petit rappel de ce qu'on fait ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est simple, les chevaliers ont accepté de parrainer l'éveil des handicapés avec une nouvelle construction qui s'appelle la Maison Martin-Mapp. On veut s'impliquer à fond. On a la preuve aujourd'hui. 175 dîners. La tire à l'extérieur qu'on s'attend d'avoir 300 personnes tout à l'heure. On veut ramasser le maximum possible pour cette bonne cause. Et vous venez de faire tirer le moitié-moitié. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a été gagné? Le moitié-moitié a donné... On a fait un moitié-moitié pour le dîner. On va en faire un autre à l'extérieur tantôt. Mais pour celui-là, ça a donné 200 $ à Mme Marilyn Garneau. Fait que l'heureuse gagnante, mais les vrais gagnants là-dedans, c'est les gens d'éveil des handicapés. Prochaine activité de financement pour les chevaliers? Prochaine activité de financement, on demande à tous les gens qui vont avoir des choses à donner. C'est le 7 mai. On fait une vente de garage ici à la salle. On demande à tous les gens qui ont des choses à donner, grosses, petites. 860-5445, on va aller les chercher. Merci beaucoup. Merci, bonjour. On a pour tout le monde, c'est que servez-vous, puis après ça, reculez-vous pour que les autres personnes peuvent aller dans moi. Bon, les jeunes ici, les jeunes dans le milieu, j'ai un. T'as donné deux jeunes, puis tu vas les emmener aux chevaux gratuitement sur mon bras. OK? Bon, y a-t-il d'autres jeunes? Les jeunes, laissez un petit peu. Laissez un petit peu. Approchez-vous.
J'essaierai de me chanter à la pomme de vous comme de même, puis ça va même.